au moment de la compétition, il y a inévitablement du stress. Nous, notre but, c'est d'organiser les choses autour pour pas que des phénomènes mal maîtrisés ou inconnus rajoutent encore du stress supplémentaire qui viendrait là pouvoir perturber leur niveau de performance. Du stress, il en faut. Pour être performant, il en faut. Mais il en faut jusqu'à une certaine limite. Il faut que ce stress il soit gérable. C'est la fameuse zone optimale de fonctionnement où pas assez de stress, on ne va pas être dans le coup. Et trop de stress, on n'arrive plus à gérer. Et là, on sort de notre zone de confort. Donc à nous de faire en sorte, pour gérer des paramètres extérieurs, créer des automatismes, des habitudes qui rendent les athlètes en confiance.